Salut, c'est Fimo Stella. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo tuto Fimo. Ça va être la fraise tagada de la Reine des Neiges. Alors, elle va se présenter comme ça. Je vais tout de suite passer par le matériel. Vous aurez besoin de la Fimo blanche. Elle est fluorescente dans la nuit, numéro 04. Vous aurez besoin de la Fimo bleu effect, translucide, numéro 374. Puis après, vous aurez besoin des paillettes blanches. Moi, j'ai pris effet neige. Vous aurez besoin d'une lame, scalpel, cutter, ce que vous avez. Vous aurez besoin d'un rouleau ou d'une pasta à machine. Vous aurez besoin d'un emporte-pièce rond pour l'effet croqué. Donc, je vais tout de suite passer par le tuto Fimo. Alors, voilà. D'abord, vous allez prendre votre boule blanche. Et la mettre quelque part, donc ici. Et vous allez prendre votre bleu et vous allez l'aplatir. Donc voilà, qu'il soit super fin. Voilà. Alors, encore même plus fin que ça. Vous pouvez faire avec les doigts, mais je préfère avec des rouleaux. Je trouve que ça le fait mieux. Alors voilà, vous devez vraiment bien le faire. Alors, voilà. Alors, ça fait comme ça, comme ceci. Vous pouvez aplatir encore avec les doigts. Voilà, il faut bien aplatir, c'est le but. Alors, voilà votre Fimo bleu, comme ça. Et vous allez prendre votre Fimo blanche et la mettre au milieu, exactement. Après, vous allez recouvrir la Fimo blanche avec de la Fimo bleue. Donc, comme ça. Alors, moi, c'est une petite astuce. C'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est plus facile. C'est de faire ça. Après, vous allez couper les deux extrémités et les mettre ici, comme il y a encore du blanc. Alors, s'il y a un petit peu de blanc, c'est pas grave, vous pouvez pincer. Alors, voilà. Voilà, parfait. Et vous allez faire juste pareil avec l'autre. Voilà, et là il y a encore plus de blanc, donc vous allez vraiment pincer super fort, comme ça. Alors c'est un petit peu dur, c'est pas grave. Vous allez essayer de reformer un peu la boule. Alors voilà, ça doit faire comme ça. Après, vous allez prendre votre bleu et vous allez l'aplatir, vraiment un tout petit peu de bleu, hein, juste pour recouvrir. Alors, vous allez faire la forme de la partie blanche. Alors moi je fais un petit carré comme ça, c'est pas très grave, c'est pas exactement la forme. Donc voilà, et vous allez le mettre sur la partie blanche. Voilà, il faut vraiment recouvrir, ça doit être une boule bleue, ça doit être vraiment plus une boule blanche. Voilà. Alors, le bleu, on en aura peut-être plus besoin. Bon, voilà, vous allez bien faire une boule, une belle boule, ça doit être nickel. Et après, vous devez faire la forme de la fraise tagada. Alors, c'est juste une boule un petit peu aplatie, je dirais. Donc vous allez faire comme ça. Ouais. Alors vous allez juste aplatir comme ça. Je crois que ça va être bon. Juste un peu comme ça. Sur les côtés. Alors voilà, vous allez aplatir un peu. Et ici aussi. Alors ça doit faire comme ça. Voilà. Voilà. Et vous allez prendre votre emporte-pièce rond. Et couper pour faire l'effet croqué. Et voilà. Donc c'est parfait. Voilà. Donc ça fait bien l'effet croqué, je trouve. Ça va. Donc j'espère que c'est pareil pour vous.
J'espère que vous n'avez pas eu de problème pour faire la frestagada. Après, vous allez ranger vos pâtes, tout ça. On n'en aura plus besoin. Donc, vous allez prendre votre neige, votre poudre, et en mettre juste sur la partie croquée blanche. Voilà. Alors, il faut vraiment juste sur la partie blanche. Donc, vous pouvez aussi faire ça avec une pince à épiler, mais je préfère comme ça avec les doigts. Et voilà. C'est super pailleté. Ah, c'est marrant. Donc, voilà. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Il est assez bien, je trouve. Regardez ces paillettes. Ces paillettes ici. Voilà. Alors, voilà. Le tuto est terminé. Salut, je vous retrouve peut-être la semaine prochaine ou tout à l'heure, ça dépend. Je vais voir, ouais, sûrement tout à l'heure. Et ça va être peut-être le tuto cupcake de notes. Donc, salut! J'espère que ce tuto vous aura plu. Et faites des commentaires.